Et moi, ça devrait être bon, c'est bon. Mais il tape. Chris ? Ok. Chris ! Chris est décédé ce soir, qu'est-ce qui se passe ? Ah, je sais pas. Ouais, d'ailleurs, il doit être occupé vite là, je pense pas. Ça va être ça. Désolé, alors. Vous êtes prêts ? Ouais. 3, 2, 1, go ! C'est parti. Bon. T'avais dit non, hein, je sais plus. Ah, j'ai dit go. Ah, ok. Alors, adieu, Green Bike Dude. En fond, qui est mort. Ah bon ? Le Green Biker Dude, ouais, c'est un mec en fond en fait. Ah oui, en il qui s'est explosé. Et genre, il y a des gens qui ont fait un meme, c'est le Green Biker Dude RIP. Oh putain. C'est Darklin qui m'a montré ça en fait. Ça c'est le stage d'intro, genre expéditif as fuck là. Ah. C'est déjà le boss, et le boss il se pète en deux. Genre hyper vite. Ah d'accord. Voilà. Le boss pété. Là le truc il est juste énorme, tu mets juste quelques balles de lumière dans la gueule et ça y est il explose quoi. Ouais, pourquoi pas. Je regardais ailleurs. J'ai quoi dans une sphère verte? Waouh. La Tinker est légèrement en avance. Ah, de toute façon, X2 ça va être son domaine donc. Je me fais pas de doute là-dessus. Ah c'est vrai, j'avais l'abri du... L'éponge à câble, quoi? T'as eu ça un peu? L'éponge câble. What the fuck? Alors là, je sais pas si t'as vu où je suis allé, Chris, y'avait déjà un cœur sur le teco. Ah. Bien caché. D'accord. Ouais, mais là, attends moi, s'en sort. Eh hey, mais t'es dans l'immeuble des suicidés ou quoi là? Ouais, c'est chez les dépressifs, mon pote. Putain la vache. Genre, c'est dans les mille, ils font oui. Oh putain. C'est pas vrai. J'ai failli tomber dans les pics, hein, j'ai eu de la chance. Ouais, c'est pas passé loin. C'est quoi le bordel avec la météo là dans vos... C'est le stage en gros, t'as le temps qui change, je sais pas si tu vois l'espèce de globe vert un peu qu'il y avait. Ouais. Des fois. En fait quand tu utilises une arme particulière dessus en fait tu peux changer la météo qu'il y a normalement. Ok. Ouais ok. Ah, l'éponge à câble. Sponge wire.
Le boss est pas compliqué du tout, hein, d'ailleurs. Hein, c'est... Ouais, un pattern relativement simple. Pour le moment, un léger avantage sur Vandal. Oh putain, mais je suis mort sur lui, mais c'est pas possible. Sur Wire Sponge ? Ah, s'il m'a fait son tonnerre, je m'attendais pas à ce qu'il me touche. Ah ouais, merde. Après, je l'enchaînais bien, bon, c'est pas grave. Et là, dans le jeu, ils ont changé les explosions, maintenant elles sont bleues. Waouh. Awesome graphics. Ah, faut pas, fallait pas mettre du orange ou du rouge, ça faisait trop rappeler les attentats. Ah, tu vois, je peux être un bâtard moi aussi hein, de temps en temps. Oh. Ce stage là il est assez chiant. Surtout les. Alors on va essayer de récupérer un cœur et l'upgrade du Buster et tu vas voir à quel point ça va être chiant, Chris. Oh, ok. Normalement en fait, l'upgrade du Buster faut le choper avec le dash aérien. Mais là, vu que je l'ai pas, il va falloir que j'utilise l'arme que je viens d'obtenir. C'est une chaîne qui peut s'accrocher au mur. D'accord. Putain, j'ai cru que Vandal nous faisait une crise de Weeboo. Pourquoi? T'as dit alligator, j'ai cru que t'as dit alligator. Ouais. Bah, j'ai lu vachement rapidement hein, le Great Pita. J'ai réussi à pas trop galérer dessus. Oh. Parce que l'upgrade du Buster par rapport au X1, il est vraiment bien parce que là, tu te fais deux gros tirs. Ah, t'as les mains rondes maintenant. Moi j'avais dit que c'était des grandes box. Ah ouais. Oui, c'est pas con. Et du coup, j'imagine que le brain là, tu peux juste passer outre quoi. Enfin, tu peux l'oublier. Je te demande. Oui, tu peux, mais bon, c'est pas recommandé. Ouais, mais imaginons que tu fais un run casual pour la première fois. Ah est-ce oui que si tu l'oublies, c'est grave? Le grade du Buster? Ouais. Franchement, non. Putain, mais d'accord. Merde, j'arrive plus. Mais bon, ça facilite la tâche. C'est okay. Un truc de dingue. Je me suis entraîné dessus pour faire au moins les Mavericks. Ce truc-là, je te l'ai fait first try, quoi, pour récupérer le Buster. Sérieux? Ouais. Alors là, maintenant, le grade du cœur. Alors, bon, déjà, lui, je vais le buter parce qu'il va me casser les couilles, là. Il galère, le pauvre Vandal. Là, alors, Chris, tu vas voir. Alors là, il y a un cœur ici, mais il y a des pics. Alors pour l'atteindre, c'est magique. Il y a cet ennemi placé au préalable. Tu le fais tirer. Et ouais. Boum. Faut que tu profites de la frame d'invulnérabilité pour faire un wall jump sur les pics et récupérer le cœur. Ah, ça marche. C'est fourbe. Je l'ai fait first try, hein. J'hallucine. Putain. Ah, GG Vandal. J'ai conquis. Ah, tu l'as aussi, Vandal, le Buster là. Ouais, c'est bon. Joué. Ok, Dark Link, ça marche. Ah, Eligo ? Ah, Eligo, ouais. Ah, ok. Ah, ciao. À la prochaine. Essaye de passer, mec. Oh, je vais me la faire cette pizza, je reviens. Ok. Au revoir, je me donne up. Mon jeu bien équilibré en compagnie de Chris.
5 fruits et légumes par jour, nique ta mère. C'est... Allez. Hop, on va récupérer ça rapidement. T'as réussi à avoir le cœur? Ouais. Bien joué. C'est risqué hein, pour l'avoir quand même, c'est dingue. Toi, tu utilises la chaîne? Ouais. Sans chaîne, tu peux, hein. Ouais, tu peux, mais bon, c'est plus sûr avec, quoi. Bah, je sais pas, le timing il se fait bien, quoi. C'est... Tu te prends le dégât et voilà. Ah, j'ai du mal, j'arrive pas à enchaîner le boss. Ah, putain, il m'a croqué le dash. C'est cool, j'ai réussi à chain le boss une fois. D'après, j'ai foiré. Oh, genre. Bon, moins 51 secondes, d'œuf quand même, pour Wilgator. Après, tu te sers des temps quand tu m'avais montré le truc, donc t'as largement moyen de gagner du temps. Le jeu, il veut que t'ailles récupérer les parties de zéro. Beaucoup de temps, mais ça va, ça va, ça va. Ah oui, c'est vrai, la musique de Bubble Crab, elle est bien. Ouais, elle est vachement cool. Franchement, j'adore les musiques du X2 aussi, quoi, c'est excellent. C'est le boss de... Hey, non, je vais être au-dessus de toi. D'ailleurs, dans le X5, il y a un stage qui reprend cette musique, d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, bon, par contre, le stage est hyper chiant, par contre. Ils t'ont mis, tiens, je te mets une bonne musique pour pas que tu te fasses trop chier, quoi. Ouais, c'est ça.
Non, le laser, tu ne me toucheras pas. Ah ouais, c'est passé, c'est cool ça. Je vais me battre Bubble Crab. Là, je vois une de mes préférées, la Flamestag. Bonne musique. Ouais, je viens de le battre le Bubbly Crab. Bubbly Crab. Ok, pas mal. Ah putain, je vais mourir. Ah, je me suis pris la lame dans la gueule. Mais j'ai récupéré le cœur. Donc ça va. Je vais en faire le Flamestag au Buster. Ah pourquoi? Parce que j'ai plus assez de bulles. Comment t'as fait pour ne plus en avoir assez? En fait, c'est le moment où t'as l'espèce d'écureuil qui met des flammes sur les murs là. Je m'en sers pour faire un bouclier avec le. Ah oui, ça. Chargé. Et ça se tue sur le temps. Mais ça va, j'ai réussi à le faire. T'enchaînes deux tirs de Buster chargé, ça marche. Il se prend les deux coups d'affilée donc bon. Ça, je l'ai passé sans en avoir besoin. Je te mets des points. Je te fiste. Flamestag, il veut te fister en fait.
On va le renommer Fist Style alors. C'est ça. Alors, d'accord, j'étais censé le tuer, mais il m'a eu avant, donc on va savoir pourquoi. Va te faire foutre. Ah, bah, merci, c'était cool. Encore, ça a fait ça, c'est rôle. Ah mais merde. Bon attention, je vais sortir un cri épique. Hein? Vous n'en reviendrez jamais. Voilà. Ah mais je sais pas, de temps en temps le dash il veut pas s'activer, c'est relou ça. Ouais, là, je l'ai passé vraiment bien, donc ça va savoir. Mais glisse pas, putain, ça me l'air. Quand tu lances de dasher, non, il glisse sur le mur, genre... Oui. Et quand même, pour un jeunesse avec tous ces éléments-là, ça reste un jeu impressionnant, quand même. Je disais qu'avec tous les éléments sur Flamestag et tout, ça rame pas du fion. C'est, ouais, c'est ça, clair. C'est vraiment exceptionnel. Ah, mais techniquement, X2 il est assez poussé, hein, je trouve. Quand je te le demande, ah merde, oh, je suis obligé de faire un sub tank, sérieux. C'est dingue ça. Là, je me suis entré un petit peu à aller faire une fois les Mavericks, mais même ça, pourquoi je galère autant dessus, c'est. C'est pas un des plus compliqués, hein, Flamestag. C'est ça le pire, c'est. Tu esquives son truc, tu tires, tu esquives son truc, tu tires, et puis basta quoi. C'est... Là, je comprends pas. Morph Mode est plus chiant quoi dans le jeu. Ah, bizarrement, Morph Mode, j'ai moins galéré. Là, quand même, c'est spécial le boss au début, en fait, tu l'affrontes pas vraiment quoi. C'est t'affrontes un cocon et genre. Les rues de l'évolution accélérée. Bonjour, je deviens un magnifique papillon. C'est n'importe quoi. Après, c'est qu'il te fait des. Il fait très mal en fait, Morph Mode, quand il touche. Oui, avec sa poussière d'étoile et au corps à corps. Oui, son petit rayon aussi. Ah, mais t'es sérieux, toi? Oh, Magna Centipede, il est chou. Le stage est chiant. Alors, 21h30, j'aurais clairement pas le temps de finir. J'aurais clairement pas le temps de finir. Ah.
Mais bon, je vais au moins essayer d'aller le plus loin possible. Dans le temps qu'il m'a imparti. Pas genre fin. Oh, mais je mets 40 minutes pour chier le pingouin. J'avais sinon encore tu mets 40 minutes sur un stage aussi facile quoi. Je veux dire, ouais, quand tu commences le jeu, t'es pas censé mettre autant, je suis désolé. Mais c'est le stage fait pour justement que tu puisses t'habituer au jeu quoi. Ah, ça, c'est un peu pire, il aurait pu être 40 minutes pour le stage d'intro. C'est vrai, là par contre, ce serait n'importe quoi. D'accord, 20 minutes, un truc comme ça, d'accord, mais 40, mais non. Franchement, Ordaï, je sais pas si t'es encore là, mais honnêtement, 40 minutes pour faire juste le stage de pingouin, tu penses quoi, que c'est abusé? Ou pas. Même moi, je veux dire, j'ai. C'était la première fois que je faisais un Mega Man, j'ai pas mis autant. Quoi. Ah, mais je suis fou, après, je passe en bas. Voilà. Ouais. Morda est d'accord avec nous, 40 minutes c'est abusé. Ouais. Bah quand tu débrasses des espèces de chenilles qui te sautent dessus et qui te forcent à sauter. Tu peux pas? Ah si, ils partent tout seuls. C'est que ces ennemis sont vachement inoffensifs quoi, ils font pas mal, c'est juste ils te forcent à faire des trucs. Je manipule. Non mais voilà, on est dans une situation où j'ai découvert les Megaman avec Megaman X lors du D3. J'ai pas mis autant pour faire pingouin. Bah ouais, tu... Ça c'était quelqu'un qu'on connaissait, parce qu'on s'était fait un petit tute des custom. Déjà, ce type n'a pas eu les coups d'aller jusqu'au bout. Mais comment? Eh, mais il nous disait quand même qu'il imitait de la bonne volonté. Hein. Exactement. La bonne volonté, on la voit tout de suite. Et c'est là qu'il regarde le stream et balance. Ah, si je regarde le stream, on fout. Ouais, c'est clair. C'est pas des choses qu'on invente. En plus. Ah mais je ne dis pas le contraire, mais c'est juste abusé quoi, je veux dire, je suis sûr d'être persévérant, même tu joues doucement, tu le fais pas en 40 minutes. Même en ouais, jouant, même, en même jouant doucement. Ton temps, quoi. Ah par contre je savais pas. De quoi? Mais bon après Coaster lui il était bon sur Trackmania donc tu vois on va dire ça compense. Mais
Après, je sais pas s'il a regardé les tutos, mais je veux dire, la personne dont on parle, je fournis tout ce qui était nécessaire. Elle avait absolument pas d'excuses. Merde, je vais récupérer un cœur, mais j'ai gagné. J'ai pas réussi à la fin. Je vais récupérer. Oh, mais ça m'énerve par contre. Quand il saute pas, c'est énervant. Ah bah ça. Ah ouais, après, c'est une autre histoire. S'il n'y a pas du tout lancé le jeu. Parce que cette personne, j'ai passé un temps monstrueux à lui montrer au moins pour faire les 8 Mavericks. Hein. Donc après Costor, je sais pas s'il a regardé des tutos ou quoi que ce soit. Mais cette personne, elle n'a pas d'excuses. J'ai passé du temps à lui. J'ai passé au moins une heure à lui montrer comment faire les 8 Mavericks. Oh putain! Et elle s'est pas investie, donc. J'abandonne pour récupérer le cœur, c'est pas grave. On est où? Je suis à Crystal Snail, en fait, à moins de récupérer un cœur au tout début du stage. Mais. Ouais, T'y arrives pas? Ouais, j'y arrive pas du tout. Ouais. Ah, mais moi, parce que je crois qu'il y en a un également sur Magma Centipede, mais c'est vrai que j'arrive pas à récupérer donc. Ah, si, de Magma Centipede, attends. Il y a un sub-tank. Ah, mais ça crée un cœur aussi. Il y a un sub-tank, mais le cœur, je sais pas du tout où il est alors. Ah ouais, je confonds, c'est. Tu vois, c'est ça qui m'énerve le plus, quoi. C'est que j'avais passé du temps lors de l'UD3. C'était un participant de l'UD3. Après, si tu veux faire des recherches sur qui c'est, fais-toi plaisir. On a même fait une carte de UD spéciale pour lui. Voilà. Et bon, avec Conker, on le connaît. On le connaissait plutôt. Enfin, je fais de la merde sur l'épée, c'est pas possible. Ah bah voilà. Non mais voilà, après si tu t'en fous, c'est ton avis, on va pas dire non vas-y tu dois le connaître et tout, t'inquiète pas. Ouais, ben non, le truc c'est juste qu'on blague plus sur ça qu'autre chose quoi, c'est tout. Non, c'est qu'on blague plus sur ça qu'autre chose maintenant. Ouais, j'avais compris, t'inquiète pas. Ah mais t'as bien raison, c'est quelqu'un qu'on connaissait depuis super longtemps. Et là, tu vois, quand tu passes du temps à expliquer à quelqu'un, le type en avait limite rien à battre. Et c'est ça que je trouve plus blessant qu'autre chose. Que, du coup, le temps que j'ai investi à lui, il n'y avait pas uniquement Megaman X. Hein, je vais expliquer pour Castlevania, je vais expliquer du coup pour Megaman X, je vais expliquer pour Metal Slug X. Et je crois que Trackman, je l'ai déjà dû pas. Ou au pire, bah, je le répète. Je vais montrer le chemin à faire pour Trackmania. Et voilà, c'est juste abusé de. Bon, il me touchait pas de m'avoir fait perdre un temps aussi précieux. Alors j'aurais pu m'entraîner sur les autres jeux, quoi. T'as Crystal Snail, il est chiant le boss, quoi. C'est. Par exemple, pour Super Guzan Ghost, Armantis a passé du temps à me coacher. Et voilà, ouais, j'ai réussi à faire un temps dessus. Parce que ouais, je me suis investi, je me dis ce serait juste dégueulasse de ne pas faire un temps sur le genre. Que, tu vois, quelqu'un à qui t'a demandé qu'on te file la coupe main, elle a passé du temps à t'expliquer les trucs et tout. Moi, ouais, c'est le minimum que tu puisses faire. Et je refais de la merde, je suis concentré plus dans ce que je dis que sur le jeu. Mais pour voilà. J'ai perdu trop de temps sur Crystal Snail et essayé de récupérer le cœur. C'est sinon, on a fait un autre idée. Bon, cette fois c'était juste entre Conker et moi, parce que la personne on l'avait déjà depuis un moment. Mais juste pour revenir à cette UD custom, j'avais même mis Nitro E Crush.
Conker a dû jouer peut-être une fois au jeu juste pour découvrir le truc. Voilà. Et il l'a battu. Alors qu'il a 20 ans sur l'UD4. Kappa. Ah, il y en avait vraiment un, mais voilà, c'est... La question que je me pose, c'est est-ce qu'il va du coup s'inscrire à l'UD5? Mais je crois qu'il va le faire, parce que c'est pas content de ce qu'il... Je savais que Chris s'était amusé, j'ai entendu un petit bruit, c'est pour ça. Ah. Je savais pas qu'il était là. Non. Et d'accord. Baguette aussi. Baguette. Ça mange en même temps. Ouais, ouais. Petite part. Mais du coup, t'allais dire quelque chose qu'on cœur. J'ai oublié. Ouais, non, j'ai complètement oublié. Vous parliez du dé qui se présente ou pas, ou je sais pas quoi. Ah putain, il me scanne. Non, je disais, bah apparemment il est content du temps des temps qu'il a fait, alors il va s'inscrire. Hein. Il est fier de ce qu'il a fait. Ouais, sauf qu'il aura plus tonton Vandal cette fois-ci. Mmh. Ça, c'est assez clair. Oh, il va bien trouver un autre pigeon. Comme il fait toujours. Je ne sais pas. Moi, ça, honnêtement, je pense que sur ça, ça m'étonnerait. Parce que le type, il discutait avec personne quasiment au sein de l'UD. Donc, Ah ouais? Il peut essayer juste de dire bonjour tous les 36 du mois et c'est tout quoi. Putain, c'est salut les gens, comment ça va hein? comment ça va hein? Putain, j'arrive pas à récupérer ce putain de cœur. T'as explosé, ouais. Ouais. Y'a un cœur à récupérer, mais j'arrive pas à placer le dash de feu. On peut pas donner une vie les mecs là. En vrai, c'est mon. C'est ma dernière chance. Je suis à Overdrive Ostrich, j'essaie de récupérer le cœur. Ah oui, je vois. Du coup, mais tu utilises pas la moto? Ah, j'arrive pas. Bon, là, je vais avoir game over, je vais recommencer tout le stage, mais moi j'ai le cœur. Ah bah oui. Ouais, j'ai mis trop de try comme un con alors que c'est facile quoi. Bon, maintenant, je vais pouvoir foncer comme un tarbe. T'as qu'un stage toi? Je suis sur le centipède. Centipede. The Human Centipede. Je savais que t'allais dire ça. Un chef-d'œuvre du cinéma. J'ai jamais vu. Je compte pas. J'en ai rapidement entendu parler. C'est pas. C'est pas très alléchant. Exactement. Sauf après si t'as des airs chelous, mais. Après ça me regarde pas. Donc... Moi je vous dis tout de suite, je comprends rien de ce que vous racontez, hein. On parlait de The Human Centipede, mon pote. Je pense que. Vaut mieux pas que je sache ce que c'est en fait. Exact. Tu connais la réaction en chaîne? J'ai une audition, je confirme. Ouais. Je dis, si j'arrive à faire les 8 mavris, je suis content. C'est moi, c'est un quart d'heure avant d'aller manger. Ouais. C'est faisable. Mais du coup, Dr. Light, c'est devenu un hologramme maintenant ou il a une super crème anti-rides aussi? Bah, il est mort. Hein. Mais il a quand même laissé des modules un petit peu partout histoire de faire en sorte au cas où. Ouais, c'est ça. Attends, y'en a trois en plus. Je savais même pas. Moi j'en ai vu aucun, mais.
De quoi? 3 Human Centipede, sérieux. Il y en a 3! Putain, ouais, mais je savais qu'il y en avait plusieurs, mais 3 quand même! Putain, je savais qu'il y en avait juste 2, tu sais! Ouais, au deuxième essai. Donc là, mon Megaman il a presque toute l'armure sauf le casque. Ah. Mais le casque ça sert à rien. D'accord. Enfin, normalement c'est utile mais pas pour speedrun quoi. Hmm. En fait, ça te sert à t'indiquer en fait les endroits cachés. Ah. Les objets cachés. Donc là, forcément, speedrun c'est pas très intéressant. Ouais, moi là je suis au X-Hunter Stage moi. X-Hunter? Ouais, en gros c'est une organisation qui veut essayer de stopper X quoi. Pourquoi? Parce qu'il s'ennuie? Je sais plus pourquoi exactement. Ça doit être des gens infectés par le virus Maverick. Les Mavericks, c'est les robots qui deviennent fous en fait. Ouais. Et qui se mettent à se rebeller contre les humains et tout. C'est ça en fait, les boss qu'on affronte. D'accord. C'est un peu une sorte de folie. Et donc, ouais, le boss qu'on a affronté dans X1, à la base, c'était un Maverick Hunter aussi. Mm-hmm. Mais il est devenu fou, donc il en est devenu un lui-même de Maverick. Ah. En gros. Ouais, donc en gros, ce que t'es en train de me dire, c'est qu'ils ont la rage, quoi. En gros, c'est ça. Ok. Mais en gros, Megaman, il peut pas être infecté, quoi. Si, il peut être infecté, justement. Ah. Et c'est d'ailleurs, il a peur de ça. Je l'ai tellement rack Crystal Snail. Ouais, mais il m'a pas fait une attaque. Il a combattu plein de robots infectés, il a jamais rien eu donc. Ouais, mais il peut quand même subir l'infection donc. C'est un truc qu'il redoute. Hmm. Bah, dans ce cas-là, il y aura probablement quelqu'un pour le démonter. Bah, voilà. Zéro. C'est le. Je sais pas si t'as remarqué, c'était celui qui était en rouge là, dans X1. Ah, le mec qu'on peut voir dans l'overlay là au-dessus. Ouais. Oui. Oh putain, merde, trop long. Écrasé. Ah ouais, en effet. Je suis allé trop lentement là. Zéro qu'on pourra enfin jouer dans le X3 d'ailleurs. Ils ont attendu. Ah. Sauf que vous le faites pas le X3 en fait. Non, on va faire X4. On peut jouer dans X4 aussi, c'est quand même un scénario à part en fait, Zéro dans X4. Ok. Et il a un gameplay différent aussi. Parce que Zéro en fait, lui il manie un sabre en fait, et dans X4, c'est avec ça qu'on se bat, qu'au sabre, donc pas de tir à distance. D'accord. Oh, je suis trop fort. Quoi? Ah non, je veux pas partir. Casse-toi la moto. Ah, du coup, j'ai réussi à choper la moto, à faire le demi-tour pour être cette attaque. Compliqué le boss, hein. Tu mets le bouclier de bulle devant lui et il prend cher. Ah, il est amical. Enfin, tu veux être amical avec lui, quoi, c'est... Tu lui fais un câlin avec des bulles. Un câlin de bulles.
ça. Et dans le dans les Mega Man originaux, dans les classiques, c'est pas un virus, c'est juste des méchants robots quoi. Ouais, c'est des robots créés par Dr. Willy ça. Hmm. Dont les fameuses poules atomiques. Les poules atomiques, c'est des ennemis dans Megaman. En fait, dans Megaman 2, t'as des ennemis, c'est des poules qui foncent dessus en fait. Mmh. Et c'est leur vélo en plus, les poules atomiques, mais genre, c'est dans une ancienne pub pour Megaman 2, une pub française en plus. Genre, ouais. T'as genre Dr. Willy qui parle, il fait Megaman pourra pas avoir un attaque, mais poules atomiques et mes autres créatures. Oh merde. Avec son bel accent allemand là, on dirait un peu. Ah, mes poules atomiques! Après, ça reste. Albert Willy, voilà quoi. Albert Wiley. Le perso est inspiré d'Albert Einstein d'ailleurs. Ah! Ouais, parce que les Japonais, ils aiment pas Einstein! Ah bon? Ah bah oui! Bah, c'est lui, celui qui a créé la nuke! Et, ah, et Dr. Light, son prénom c'est Thomas Light, et en fait c'est Thomas Edison, je crois. Ah! Et donc en fait, ils aiment bien Thomas Edison parce que c'est lui qui a inventé l'électricité. Mais là, je comprends pas, parce que Thomas Edison, c'est pas censé être un Américain aussi? Ah, si, mais... je pense, mais... Bon, ça va, ils ont moins la haine contre Thomas Edison que... qu'Einstein, je pense. Ouais. Mais c'est moche, parce qu'Einstein, en fait, il a été plus ou moins forcé du projet Manhattan, donc... voilà, c'est moche, mais oui. Le fameux projet Manhattan. Ouais. En gros, bosse pour nous ou alors ta famille elle survivra pas quoi. Sympa. C'est moche quand même. Ouais. Je fais pas le dire. Oh putain, mais ce boss là il est chiant. Ouais. Celui du 2 et du X-Center 2, ouais, c'est chiant. Ouais, il est galère. C'est pour ça qu'il faut l'armure, le gré de l'armure, comme ça tu peux le faire exploser direct ses canons. Et aussi en gros, parce que c'est un peu obvious, mais Mega Man X c'est une upgrade à ce qu'il était avant, mais comment en fait? Quelqu'un l'a réanimé ou... Alors en fait c'était le Dr. Light donc qui a, je crois, ouais, il a amélioré Megaman en gros. Ouais. Mais en fait c'est le tout premier robot en fait qui a la faculté en fait de penser et de ressentir en fait, et ça peut être très dangereux pour un robot ça. D'accord. Parce qu'il peut il peut vite se rebeller contre les humains. Ouais. En fait je crois c'est le Dr. Light, il, en gros, il a, avant de mourir, il a scellé X dans une capsule. Oui. Et en gros, il fallait laisser quelques temps pour que... Je crois que la capsule est en train de travailler sur ses circuits, je crois. Ouais. Un truc du genre. Et en gros, il fallait du temps pour que ça se fasse vraiment. Et donc, faut pas le réveiller, genre, trop tôt. Et après, il a été trouvé par quelqu'un ensuite qui l'a réveillé, quoi. D'accord. Mais du coup, le Mega Man X, c'est le même que le Mega Man classique, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une upgrade. Je crois que c'est ça. Mais bon, il a aucun. Je crois que c'est qu'il a aucun souvenir d'avant, quoi. Ah. Ouais, donc en gros, c'est un peu comme un humain avec des super pouvoirs, quoi, à ce niveau, quoi. C'est ça. Il y a Vandal qui adore se prendre des coups de jus. Putain, je suis mort, quoi. Et ouais. Ah ouais, bah je veux plus. J'ai plus de sub-tank ou autre. Je crois que je vais devoir refaire le stage carrément. Ouais. Non. Parce que j'ai plus de sub-tank. Mon armure elle est plus au max. Ça va être trop chiant. En vrai, j'ai essayé de le faire le boss là, mais ça va être galère. Bah essaye là, puis si tu vois que c'est une perte de temps. Ah ouais, tu prends cher. Il balance des œufs, les mecs.
Les yeux colorés. Ça a l'air d'être la merde pour le toucher en plus. Faut péter ses canons d'abord. Ah ouais, bah refais le stage moi je pense, hein, parce que là... Bon ça quand t'as le... Quand t'as l'armure... Quand t'as ton armure chargée là, tu pètes tous les canons et t'es bon quoi. Ouais. En vrai, ouais, presque. Je vais retenter. Bon. Quoique lance. Non, ça sert à rien. Ouais. Perte de temps un peu inutile sur ce boss, c'est dommage. Il fait un câlin au boss. Oh. Ah, t'es au Xenter Stage là? Oui, là j'attaque le deuxième. Oh putain, bah on est revenu au même moment. Ah, faut que tu recommences tout le... Ah, tout le stage? Oh la vache. Ah. Mais toi, c'est que moi, je sais que pertinemment que je ne pourrais pas finir. Elle est presque chargée, elle est chargée. Presque chargée. Du coup, c'est bon. Bon, il va venir là, le missile, merci. Ah, c'est comme les trains à la SNCF. Hein. Quoi? T'as changé de chez les pics, mais c'est n'importe quoi, allez. Ah, les pics. Les fameux, putain. Et j'avoue que tu les touchais à peine, quoi. C'est la hitbox qui a touché, quoi. C'est... Je pensais qu'il y avait de la autre chose, mais non, c'est juste une vie quoi. Bon, c'est pas grave, il y a chaque point. Ça... Attends, j'arrive pas à monter. Blizzard déploie une nouvelle mesure contre les aimbots dans Overwatch. Tiens donc. Ouais, en gros, tu sais comment ça marchait les aimbots dans Overwatch? J'imagine, en gros, ça a essayé de traquer la cible. Comme si c'était naturel, mais il y avait un certain pourcentage de fail quand même pour faire croire que c'était encore plus vrai quoi. Non, en fait c'est surtout en fait ça traquait le contour rouge en fait des ennemis. Ouais. En gros ils ont fait une toute petite modification sur la teinte de rouge et c'est pas visible pour nous en fait. Pour nous il n'y a aucune différence, mais en gros le bot ne détecte plus le contour. Bah pour l'instant, mais ils vont le changer quoi. Ouais, ça va être mis à jour, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est que temporaire leur truc. Quoi. Attention. Pic ! Voilà. Ah, l'entreprise allemande. Putain, ils ont vraiment du mal avec. Avec cette boîte quoi. Qui vend des cheats. Les mesures sont prises au niveau du joueur du jeu. Ça va faire le processus actif. Agir en amont. Ça force de rendre le terrain moins favorable. Moins intéressante. Les aimbots sont une plaie pour ça. Putain. Parce que bon, je vois de plus en plus de widows et à mon avis, il y en a plein qui utilisent des aimbots quoi. C'est ouf. C'est affreux parce qu'on n'a pas l'impression qu'ils utilisent un aimbot quoi. On a l'impression qu'ils sont bons. Oh non, mais sérieux, je suis mangé les piques, mais je suis nul. Ah ouais, là, c'est pas une plateforme, hein, Conker. C'est. Ah mais je voulais pas me mettre là à la base. J'ai fait un saut trop long. Ça fait un saut trop long, alors je vais me poser sur le missile. Casse les couilles quoi. Ah.
Putain, mais le niveau, je le passe crème, normalement, ça m'énerve, hein. Ça me gave, ça. Là aussi, sur... je reparle encore d'Overwatch, vite fait. Le... J'étais sur le PTR hier et ils ont rajouté une fonction pour record les POTG. Ouais, je sais. Et ils ont aussi changé pour les crosshairs. Tu peux les personnaliser un peu mieux. Tu veux personnaliser quoi maintenant? Tu peux un peu plus de trucs comme la taille, l'épaisseur, la couleur comme d'hab. Un petit peu plus de trucs quoi. Moi personnellement, ça m'a plus perturbé qu'autre chose parce que. Mais bon. Attention, faut que j'aille manger, je suis sur un game over. Ah. Ouais, bah, du coup, moi ça s'arrête là. De toute façon, c'est on connaît le fond à conquérir. C'est dommage parce que t'avais moins mieux rattrapé. Hein. Ah ouais, mais bon. Ouais, ça arrive, ce genre de choses. Bon, je vais manger, puis je reviens après, du coup, de mon code. Hey. Non, je voulais pas utiliser ça. Merci. Mais je voulais pas utiliser ça, j'ai mis ce clic. Pourquoi t'as utilisé l'attaque super de la mort de la nucléaire là? Mais je voulais pas! Ah. Ah, ça va, je peux absorber ça. Bon, du coup, Vandal aura pas de points. C'est dommage parce que. Bah ouais. Tant il a peut-être eu un game over, mais il peut reprendre au X-Center Stage quoi. C'est... Ouais, mais bon, il doit manger là, absolument. Ah. Non, mais je sais ce que je vais. J'ai game over, je sais ce que je vais profiter de faire. Putain, mais je vais même pas pouvoir finir le jeu comme un con. Je suis nul. Je vais retourner dans ce stage parce que t'as un endroit, tu peux tellement te faire plaise. T'as l'endroit rêvé. Oui. Pour ramasser de la vie. Ah. Tu vois, c'est magique. Là, il te reste 35 minutes, hein, donc tu peux essayer. Non, mais de toute façon, je peux finir le jeu, il y a moyen. Ouais. La moto. Tu vas là. Il s'est passé quoi là? En gros, c'est en Rust, t'as une arme, quand tu utilises la version chargée de l'arme, ça aspire tous les objets en fait proches. Ouais. Et ben là, il y avait plein de trucs de vie cachés. D'accord. Et l'ordre qui s'est barré. Alors, mon armure, elle est à moitié remplie. Bon, je devrais le faire là, logiquement. Attends, touche-moi un coup, s'il te plaît. Merci. Oh bah, c'est sympa ça. Je peux tanker plus de tirs comme ça. Ouais, ouais. Merci. Je me dis, oh ah. Cool, j'ai un commentaire sur une de mes vidéos, je regarde, c'est un bot. Youhou. C'est dur la vie. Trop dur. Wow, c'est pas pire que d'avoir un commentaire genre t'es vivant, OMG. Ouais, c'est vrai. T'as un message ou que c'est... On est une, j'ai dit, on est une team c'est... et tout, mais non, c'est le t'es vivant, OMG, quoi, c'est... Ouais, je sais pas, c'est... Non, mais en fait, ce que tu sais pas, c'est que Team Zankyo, en fait, c'est juste la même personne, elle est juste schizophrène as fuck. Ouais, c'est ça, tu savais pas, mec. Ouais, en fait, on est la même personne. Complètement. Oh mon dieu. T'es vivant, OMG. Non, mais moi ça me fait peur parce que je me dis putain, mais c'est qui lui? ça doit être adressé à moi, c'est pas possible, mais c'est qui? Je le connais pas! Et moi non plus, hein, donc. De toute façon. Non. C'est peut-être une connaissance de l'ordre, hein, on sait pas! Ah, ça m'étonnerait pas! Non, je sais pas.
On va pas faire la même erreur. Ah non. Je vais essayer de voir s'il peut me donner un gros truc de vie. Je vais aller full vie pour le boss. De toute façon, je vais prendre mon temps. Bah oui. Parfait! En plus, le boss est plus que faisable avec un seul sub-tank. Même aucun. Mais je l'avais fait sans sub-tank, je crois. Il m'a envoyé sur les pics, hein, ce bâtard, il a failli me tuer. C'est super punitif les pics quand même. Ah, dans les Megaman, hein, ça c'est une coutume, hein. Les pics c'est des grosses putes. Ah, t'es en métal, les pics, genre elle te tue quoi. Putain, mais tu vas le toucher là. Putain, je vais faire au Buster, hein, c'est bon. T'aurais dû. Ouais, au Buster il est plus simple en vrai. Ah ouais. Ouais. Bah ouais, tu le touches plus facilement, regarde. Ah oui, effectivement. Il a la prédile ce boss. Ouais, il est chiant. Oh putain, mais non, t'es sérieux là? T'aurais oh, dû mais prendre... sérieux? Il m'énerve! T'aurais dû farm plus de vie. Ouais, je vais faire ça, hein, tu sais quoi. Oh, ça me gave! Je vais même pas finir le jeu, quoi. Oh, ça m'énerve! J'ai mal de le finir en plus, quoi. Après, j'ai une demi-heure pour faire deux autres stages. Après celui-là, trois même. Oh. Ça fait juste, ouais. Je vais retourner sur le niveau du désert. Oh, ça me gave. C'est-à-dire quand je m'étais entraîné, je l'ai passé tranquille. Genre un truc qui me gave. C'est de la merde la Russie quand même. Pourquoi? En gros, il y a une application qui s'appelle Telegram. C'est en gros, c'est la messagerie cryptée. Et les Russes, eux, c'est des connards parce qu'ils en ont rien à branler de la sécurité des Russes. Hein, donc ils veulent toutes les données, toutes les clés de décryptage et tout. Sympa. Hein, le mec, il est. Non. Enfin, le mec, c'était le patron de Telegram. Enfin, c'est pas vraiment qu'il a dit non, c'est juste qu'il a pas les clés. Donc ça sert à rien. Ah, fini. Et en gros, il menace de bloquer l'application, blablabla. Enfin. En fait, je savais pas, t'en as fini de ces conneries. Ah ouais? Si j'avais su, bah ouais. Oh. Bah, ça devrait mieux passer, hein. Ouais, bah maintenant, ça passe tout seul. Ah mais je pense franchement. Bah dans tous les cas, vu que après avoir passé ce niveau, c'est considéré comme win, je vais quand même essayer de finir le jeu quoi. Oui bah même oui. Si j'ai passé le temps. J'ai rien à perdre.
pour l'honneur. Ouais. Au moins faire un meilleur temps que celui que j'ai fait quand j'ai streamé le jeu là. 2h10 parce que j'ai galéré au boss final quoi. Ouais. Voilà. Pourtant le boss final n'est pas si compliqué que ça. Hein. Parce qu'en plus, sa dernière phase elle est sympa, il fait pop des ennemis, et les ennemis quand tu les tues, bah ils te donnent de la vie des fois. Ok. Bon, ça devrait passer. On aurait pu que j'arrive pas à passer le passage des pics là, qui est vachement easy pourtant. J'ai failli utiliser un sub-tank sans faire exprès. C'est ballot quand même. Là ce serait ballot de rater. Distance. Moi je le fais au buster, hein. je cherche pas plus loin. C'est que ah, tu touches ton canon, il s'en bat les couilles quoi. Oh. Putain, mais c'est. Il est vraiment chiant ce boss. Fais gaffe à ta vie, hein, ouais. De toute façon, t'es plutôt bien là. Caler un bon tir dans la gueule. Le deuxième tir il est plus puissant que le premier, je remarque. On dirait il fait multi-hit. Ah ouais. Ouais, donc en gros faut essayer de caser le deuxième quoi. Ouais, le deuxième est plus rentable à caler que le premier. Ou alors faut caser les deux, mais bon c'est compliqué hein. Mais heureusement que t'as des tanks, hein. J'avais pas. En fait, je savais pas que t'en avais à l'infini, tu sais, les capsules de vie avec l'aspirateur. Je viens de découvrir ça en vrai. Oh putain, je suis tourné du mauvais côté. Meurs pas, quoi. Non, j'ai encore un sub-tank, de toute façon, au pire. Essaye de pas le gaspiller quand même. Ouais, non, bah ça va, un petit tir et il meurt. Ah, il reste un point de vie, quoi. Voilà. Pourquoi j'ai pas fait ça dès le début, quoi. Ah ouais. Alors, en tout cas, GG, hein. Mais qui est pénible, ce boss, putain, vache. Plus 19 minutes, hein. C'est violent. Ouais. Il te reste 20 minutes à finir le jeu. C'est faisable. Dans tous les cas, je le finirai quand même après le temps de passer. Hein. Ouais. Enfin, je vais le même ouvrir un petit peu, moi. Pour un stage, d'après mes souvenirs, n'est pas trop compliqué. La
Laisse-moi tranquille. Merci. Ah, parce que ces insectes à la con, en fait, s'ils prennent ta tête, en gros, ils te forcent à faire un truc particulier, genre ils forcent à sauter ou à dasher. Oh. Lord Ninja. Ce niveau il est relou, c'est vrai. Ah. Bon, pour ça, ça vaut le coup. Ouais, c'est clair. L'arme qui permet de d'emprisonner dans un espèce de glaçon là les ennemis, ça me fait trop rappeler en gros à Valkyrie Profile 2 où tu dois, ou même le premier, que tu jettes des ennemis. D'accord. C'est parce que c'est un RPG jeu de plateforme, alors c'est, je suis pas trop étonné. Ah ouais. En fait c'est bien ce concept là, RPG jeu de plateforme, j'aime bien, c'est comme des trucs, mais comme ouais, ça change. C'est clair, c'est dommage que ça. Ça change par rapport à ce que tu vois d'habitude, quoi. Ça n'existe plus. Bah ouais. Après, c'était pas vraiment un jeu de plateforme. C'est-à-dire que. Mais tu pouvais effectivement faire de la plateforme. Après, c'est... Ouais, mais t'as des passages qui varient, quoi. T'as pas... C'est pas juste explore, tu démontres. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as des puzzles, t'as des trucs comme ça. Ils aiment bien les piquants. Ouais. Oula. Ouh. Ouais, il a réussi à wall jump sur le truc. Ouais, putain, le coup de stress, quoi. Si tu te demandes hein, les pics qui t'envoient de sur la gueule, si tu te les prends, ça te one shot pas, il me semble. Hein. Ça fait très mal. Pourtant, c'est des pics aussi, je comprends plus rien. Ah non, mais des fois, t'as des pics qui font juste très mal. De toute façon, celui-là il est tranquille, ce boss là. Ah oui, il a rien à voir avec le boss précédent. C'était un skill check l'autre ou quoi? Ouais, mais je sais pas. Et après, normalement, ces trois boss-là, en fait, tu peux les affronter en plein milieu des stages, tu sais, des 8 premiers stages. Oui. En fait, le truc, c'est que dans l'histoire, ils ont récupéré, en fait, les... J'ai fait un gold, t'es sérieux? J'ai fait un gold. En gros, ils ont... Ils ont récupéré les trois parties de Zéro, parce que, tu sais, Zéro, il est mort dans le... Dans le 1. Ouais. Et donc, il est divisé en plusieurs parties. En gros, ces ennemis-là, non, ils les possèdent, ils les ont pour le reprogrammer, en fait. D'accord. Normalement, tu peux les affronter en plein milieu des levels, c'est pas obligatoire de le faire, pour récupérer les trois parties de Zéro. Et quand tu le fais pas, bah, en gros, t'affrontes Zéro avant le boss final. Ok. Mais Zéro, il est pas compliqué, donc c'est plus rentable de pas le récupérer. Ok. Ah bah tiens, tu pourras voir les boss que t'as pas vu, vu que t'es revenu vers la fin. Ouais. Ah ça y est, c'est le boss rush. Ouais. Là c'est un niveau basé sur le boss rush, quoi. Contrairement au X1. C'est marrant parce que quand tu utilises la faiblesse, en gros, il y a une petite animation différente. Ouais, c'est ça. Ça montre que tu lui fais mal, quoi. Et tu vois, le meilleur, c'est Wire Sponge. Quand tu le tues avec sa faiblesse, ça fait une animation rigolote. Ah ouais? Ouais, tu verras.
Non, avant de faire les boss, je pensais toujours récupérer la vie qui a les trucs de vie qu'il y a là. Si je suis full, ça peut remplir les sub tanks. Ah bah tiens, Warrior Spawn justement. Il est pas content. J'ai remarqué que la plupart des boss, enfin si ce n'est tous les boss, ont deux phases. Ouais, un peu. Regarde l'animation rigolote. Ah. Voilà. Il avait les gros yeux. Et après il coupait ouais, en deux. Ouais, tu le coupes en deux quoi, quand tu le tues avec sa faiblesse. Ok. C'est le seul boss qui a un truc comme ça d'ailleurs. Ah. Dommage. Voilà. Je perds un peu de temps à les récupérer, mais au moins c'est plus sûr. Et du coup, l'histoire de Zéro, Zéro est écrit par qui? Bah, c'est la toute dernière création du Dr. Willy, en fait. Ah. Normalement, c'est censé être un Maverick, mais il résiste à l'infection, quoi. Oh. En gros. Donc, en gros, à la base, c'est un méchant, quoi. Ouais, c'est ça. Et je suis sûr qu'il l'a créé pour contrer Megaman. Un truc du genre, ouais. Bon, Willy il a dit ah, peut-être que je me fais toujours poutrer par ce même gars à chaque fois, on est marre moi. D'ailleurs, je tiens à souligner sa persévérance ou son idiotie, je sais pas. Ah bah ouais, là, c'est comme le docteur Eggman. Hein. Ouais. Faire ce boss, je sais pas pourquoi. Ouais, parce que tu l'alignes. Hein. Il a un pattern. J'ai vu avoir le bon timing, quoi. Ouais, c'est ça. Après, il est vachement plus chiant que ça hein, quand tu fais Buster parce qu'il te. Il te fonce dessus, il va partout sur les murs. Ah, ouais, d'accord. Et le virus Maverick, du coup, c'est. On sait pas de son origine ou. C'est peut-être un truc que Zéro avait en lui d'abord, mais qu'il a transmis, je sais. Ça, je sais pas trop. Ouais. Ah, ça serait que je me renseigne sur l'histoire. Peut-être. Faudrait que je me renseigne sur ça. Après, ils ont sorti des petits. Ils ont sorti un petit OAV basé sur ce qui se passe avant le X1. Ouais. Et le AV justement je crois c'est celui-là dans le remake PSP de X1 justement je crois. Ouais d'accord. Un peu de backstory. Alors tu vois dans le X4 t'as des cinématiques animées, c'est bien, t'as un doublage, mouah, c'est du caviar mon pote, la version anglaise c'est magnifique ça. Ah bon c'est horrible. Elle est dégueulasse. Ah, je te montrerai après un passage avec Zéro. Oh putain quoi.
C'est une scène dramatique et tout, normalement, mais c'est trop drôle. Non, j'ai encore 10 minutes, j'aurai pas le temps de finir le jeu, c'est sûr. Ah. Avant le temps max. Oui. On se fait où, cette tank? Oh, bientôt tout rempli, c'est bon. Oh, il est chiant, lui. Il peut faire zéro Ludo. Oh. Il peut... En fait, il ralentit le temps. Oh, merde. Pratique comme... Ah, il perd sa carapace. Des mines auto-guidées ou... Non, c'est moi qui les contrôle. Ah. Tu en tombes pas dedans, mon pote. Oh, joli. Et il peut être très long parce que des fois, il se protège souvent dans cette coquille. Ouais. Sont les boss qui peuvent bloquer tes tirs, c'est les plus relous souvent. Tu sens le boss qui est là pour montrer la puissance de la SNES. Regarde, la SNES, elle peut zoomer. Ah ouais, le fameux truc Z là, je sais pas quoi. Yeah, ouais. Ah la vache, tu les enchaînes et ils font pas mal hein, les boss là. Mais... Bah heureusement que j'ai pas mal de vie. Hein. Ouais. Il t'en reste un? Ouais, un seul. C'est quoi le dernier? Ah ouais. Ah, ça c'est plus relou! Oh. Pourquoi j'avais pas ma chaîne? Ah oh. Oh, putain! Il s'est passé quoi là? Oh. En fait, le bon timing, tu peux l'infiniser, mais c'est vraiment timing serré. Ah, d'accord. Si t'arrives pas à finiser, en fait, c'est chiant parce que c'est long. Hmm. Oh putain. Oh putain, sérieux? Oh putain, j'ai vraiment fait de la merde là. Il reste 5 minutes après, c'est mort. Tu m'étonnes, j'ai mis 20 minutes de trop sur le stage. Le stage X-Hunter 2. Putain, j'ai sauté dans sa gueule quoi. Putain.
putain, j'arrive plus. Des fois, j'arrive à enchaîner 4-5 coups, mais là, j'arrive plus. Ça m'énerve. Ah, mais putain! Le boss rush c'est fait. Allez, dernière ligne droite. Alors ça c'est un stage tu peux pas farm correctement par contre hein, avant le boss hein, c'est... Mmh. Ils sont pas aussi sympas que dans les 1. T'as moyen de récupérer de la vie mais... Merci, une vie, c'est sympa. J'aime le travail sur le tank, il est pas rempli à fond, c'est dommage. Oh, elle est pas loin. Hein. Ouais. En gros, comment t'affrontes zéro, bah tu restes sur les murs. C'est con que t'entends pas la musique du jeu parce que la musique contre zéro elle est super cool. C'est vrai? Ouais, elle est vachement stylée. Elle est un peu répétitive mais elle est stylée quoi. D'accord. J'ai eu de la chance, il a pas bloqué mes attaques. Des fois, il te les bloque. Hmm. Non, c'est le méchant du premier. Ouais, c'est le même. J'espère qu'il sera pas aussi casse-couille cette fois. Non, ça va. Tu vois, sa deuxième phase peut être plus chiante que la dernière. Ouais. Après, tu sais. C'est possible de tuer assez rapidement parce que tu spams les tirs un peu partout et il se les prend accidentellement. Donc ça rebondit partout. Là il a un peu de mal à se les prendre. Ouais, oula. Tu prends cher quand même. Hein. Mmh.
Ouais, j'ai pris un peu cher. Ouais, oula, ouf. Ah, regarde, t'as vu, ça note quand il est pas rempli à fond, et ben il redonne pas toute ma vie. Putain, c'est moche. C'est moche. Putain, mais je te touche, mon pote! Mais je le touche! Please, mec! Je te touche! Ah, c'est moche que t'as dû utiliser ton un deuxième sub, quoi. Mais je le. Putain! Ah, j'avoue, je le touche, c'est moche. Je le touche plein de fois. Alors, quand il clignote en jaune, ça le touche pas, c'est normal, mais des fois, je lui mettais le coup sur la gueule et il se prenait rien. Et nul. Ouais. Le temps il est dépassé, mais j'essaie de finir le jeu quand même. On est où? Je suis à la dernière phase du boss final. Oh putain, il a des polygones le crâne. Le crâne 3D là, je sais pas quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Ils ont oublié de le finir celui-là ou quoi? Ils l'avaient prévu sur PlayStation et puis finalement. Non. C'est une préquelle. Ah cool, ça donne de la vie. Ah ouais, il est easy quoi, franchement il donne de la vie et tout. Ça, je vais voir. Faut pas se faire toucher par laser parce qu'il fait quand même vachement mal. Ah ouais. Si t'es sur point de te prendre un dégât, mieux vaut tenter de se faire toucher par la tête en elle-même. Ah, puis y a pas de barre de vie quoi, c'est vraiment. Ouais, mais sa couleur change quand il est dans la merde. Ah. Ah, ça y est, ouais, ça a changé. Devenu tout bleu. Au secours, au secours! Au secours, au secours, Sigma est devenu tout bleu. Calmez-vous! Sigma, il fait des calmez-vous! Hein, eh, franchement, non, mais il vomit du rouge, il va pas bien là! Ouais, franchement, je remercierai jamais cette Tori pour avoir pas utilisé les overlays quoi. Tu peux incruster des trucs, etc. et ça rend bien au final. Ouais? C'est génial! Normalement il a une faiblesse mais je préfère faire au Buster. C'est quoi sa faiblesse? C'est la chaîne. Kunai with chain. Et si t'as plus de... Mais le problème c'est que t'as... Ah. C'est une portée plus petite quoi. J'adore le violet. Ouais, bah franchement... De ce que je vois... Ah. Comparé à... Comment? À comparer au Sigma de X1, il est plus gérable celui-là. Ah ouais, non, rien à voir. Bah déjà, il donne de la vie, quoi. Bah oui, il sort tout ça, donc... Par contre, celui de X4, c'est pas une partie de plaisir, hein. T'as pu le voir, Randall. J'ai pu le voir, mais moi, j'ai... Là, mes objectifs, c'est d'arriver au moins au... Comment de faire les 8 Mavericks, quoi. Ouais. Et ouais, X4, par contre, j'ai vraiment pas du tout touché, là, donc... Je crois que j'ai juste fait le stage d'intro et c'est tout. Bon, du coup, tout ce qui est upgrade, je sais pas où c'est. Bah moi, je fais perso, je prends que l'upgrade des jambes. Et elle donne quoi? Je l'ai battu! Ah ouais, en gros, t'as un dash aérien et tu peux planer Viteuf dans les airs, aussi. Bon, j'ai mis 4000 de plus que le temps max. Ah, ça va, ça va. T'as le point quand même, de toute manière.
Ah, je sais pas, parce que ça a été fini au-dessus de l'estimé, donc à la limite ce serait plus 0,5, parce qu'au moins il a fini le jeu, mais... Non, parce que théoriquement il t'a battu, donc c'est un point. Donc bah, il arrive. Théoriquement j'ai même pas pu aller jusqu'au bout de l'épreuve, mais bon allez, je suis gentil, je donne le point. Voilà. Ah bah fallait pas s'absenter. J'ai galéré pendant plus de 10 minutes pour rien au boss du X-Hunter Stage 2, quoi. Espèce de grosse machine. Ouais.